Bah, de manière, cette voix au pain de sucre, c'est pas nouveau. Je pense que ça fait un an qu'elle est née dans ma tête. Au début, de manière, c'était en cours. Je m'amusais à dessiner ça quand je savais pas quoi faire. Sur tous mes cahiers, il y a un dessin du pain de sucre. Et je me suis dit, bah tiens, cette voix-là, cette voix nord-est, je vais la faire l'été, comme ça, en grimpant, quoi. Puis il se trouve que j'y suis allé, j'étais un peu déçu, c'était moins dur que ce que je pensais. Et du coup, avec un coup de chance, en allant sur un topo, je vois que ça se fait en hiver, que c'est une ligne ouverte par le PG. Et alors là, illumination dans ma tête, je me dis, mais c'est génial, on va faire ça en hiver. Et tout de suite, j'en parle à Léo. Là, il m'en parlait un peu tout le temps, là, de sa voix. Et jusqu'à ce qu'il me dise un jour, bah voilà, vous voulez la faire en hiver. Du coup, moi, j'étais un peu sceptique et tout, mais bon, au bout d'un moment, il me convainc. Et voilà, nous voilà partis pour la Boulogne. Vous voyez que c'était raide, c'était dur et tout, même Nicolas il savait pas s'il allait le faire, donc moi je me suis dit bah heureusement que j'avais pas pris les skis. J'accroche les skis sur le dos, Léo me suit, on s'encorde, donc lui il veut pas le faire à ski parce que c'est un peu trop dur, enfin je pense que c'est un peu trop dur. Et on arrive au sommet et puis là on se dit bah tiens, on sait pas si ça passe quoi, c'est super raide, super étroit, je commence à être un peu sceptique. Du coup j'étais même presque sûr qu'il allait pas le faire, il a chaussé les skis, je me suis dit bon bah c'est parti, l'aventure commence. Tout se passe bien, une étroiture à un moment où on sent que les skis, faut pas qu'ils fassent 5 cm de plus, sinon ça passe pas. Un rappel pour descendre toute la ligne et puis à la clé, sûrement une première à ski dans la vallée du Bail. Donc là, Nico, quand il fait ses 3 derniers virages de la Goulotte, là, après une traversée bien expo, je sens qu'il est vraiment content de l'avoir fait et moi aussi parce que avoir participé à cette aventure c'est vraiment cool. Donc si j'ai fait cette fabuleuse descente à ski, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est grâce à Léo, quoi. C'est lui qui m'a suivi et je pense qu'on peut dire qu'on a fait la première du tissu. Et en plus de ça, on a réussi à prendre la navette. On arrivait à l'heure, il est extrêmement mais on l'a fait.